Donc là, on travaille sur le film de Yannick Karcher et c'est vraiment super. Bonjour, je suis donc la productrice du film. Donc j'ai lu cette très belle idée de Yannick il y a longtemps, il y a 4 ans, je crois, où il m'avait fait parvenir son souhait d'adapter cette nouvelle de Mick Jackson, qui est un écrivain anglais, n'est-ce pas ? Donc la nouvelle s'appelle A Robot in the Cellar. Donc du coup, Yannick a développé le scénario. Et après, on a été en contact avec Mick, en fait, pour savoir ce qu'il en pensait. Pour assurer qu'il serait d'accord pour qu'on adapte. Et donc du coup, ils ont correspondu, Yannick et Mick. Et ensuite, on arrive à notre version au final, parce que Yannick avait une toute autre version au début. Et au fur et à mesure, il a séché, comme ça se passe toujours dans le travail. Et donc du coup, je trouve qu'il est arrivé à quelque chose de très efficace, et puis il a rajouté cette dimension un peu ludique, l'humour noir, ça a toujours été. Mais le côté un peu dessin animé, prise de vue réelle, donc je trouve ça très exaltant. Ok, on va regarder le mouvement, on refait le mouvement. Non, regarde, okay. Autour, s'il vous plaît, allez-y. C'est un truc, c'est qu'on te voit commencer à dessiner et après on tourne. Action. Tu veux pas la tirer plus vers là ? Bien. Du coup, au début, j'avais fait un devis qui correspondait à ce que ça coûterait de faire, je pense, un film avec un décor aussi comique que ça. Et donc, ça revenait très cher. Donc, j'ai commencé le financement en me disant, il faut que je trouve beaucoup d'argent. Et au final, même si j'ai beaucoup insisté auprès de l'Institut du film CNC, des différentes chaînes, ça a duré très longtemps le financement, j'ai pas réussi du tout à réunir tout ce qu'il fallait. Donc je pense que ce film se fait grâce à toute l'équipe qui adore Yannick et qui ferait n'importe quoi pour lui.
Donc je dirais qu'en production, bah, c'est de faire en sorte que les choses qu'on peut payer tiennent dans le petit enveloppe qu'on a. Et c'est surtout un film qui se fait avec, avec des gens et avec l'amour pour Yannick. T'as un peu peur de Yannick ou pas? Yannick Karcher? Ouais. Ouais, de ouf. On n'y arrivera jamais. Est-ce que vous pouvez fermer? Benoît, tu peux fermer s'il te plaît? Benoît, ouais. De toute façon, vous êtes dans l'axe donc. Benoît, ça va? T'as arrêté de pleurer? Parce que avant, il s'est fait défoncer par Yannick. Je suis allé dans le coin, là ça va pas. Il n'y a plus d'eau en fait. Ouais, on a plus de budget. Ouais. Du coup, ils ont coupé l'eau. Ok, on va tourner. Allez, on se tient prêt pour tourner. J'ai aimé la fantaisie de l'histoire. Et puis j'ai été touché par le personnage, cette traversée, cette figure mythique, Caron, m'a parlé. J'ai aimé la poésie de cette écriture et puis la projection de ce que le réalisateur Yannick allait faire avec. C'est pour moi, monsieur. C'est un concours qu'on a chez nous, qui s'appelle le tournage de manivelle. Le grand gagnant gagne un cours forgé en rentre. Le style avant tout, c'est important. Allez, ouais, c'est pas mal qu'il passe aussi, tu vois, qu'il y a un avancement. Allez, on se met en place, s'il vous plaît. À chier parce que c'est Valentin qui a filmé et le montage est à chier parce que c'est Valentin qui a monté. Du poisson.